Salut, on est Olive Structure et vous regardez Metal Mode TV. Je m'appelle Igor, je suis guitariste dans Olive Structure. Et je m'appelle Arnaud et je suis batteur de ce même groupe Olive Structure. C'est formé en 2008-2009 avec Benoît, le bassiste. C'est un ami d'enfance avec qui on avait commencé la musique vraiment depuis le début. Et il y a eu un moment où on a envie en fait, de faire nos propres compositions et de trouver en fait, des musiciens qui seraient chauds à jouer de nos compos. Et de fil en aiguille, donc ça a trouvé en fait, un moment qu'on a joué. Organique. Sans organique, filtre. Sans filtre, brut. Ouais, j'en parle, on a beaucoup parlé aujourd'hui. Je pense indéniablement que le trio gagnant, les trois groupes qui nous font vibrer de manière équivalente tous les trois, c'est The Dillinger Escape Plan, Deftones, Nine Inch Nails. Je pense qu'on a un peu la triade idéale. C'est vraiment les trois groupes qu'on gagnerait tous, je pense. Ouais. Je pense que ça résume un truc. Ouais. On a mis beaucoup de temps en fait à réussir à se remettre de la sortie du précédent album, à réussir à retrouver des idées, à retrouver un peu d'intérêt par rapport à la composition, la musique. On était un peu bloqué sur les idées du premier album pendant 2 ans, du coup. On a 2 ans qui ont été mis à la poubelle. 2 ans de recherche un peu musicale où l'album s'est un peu ouvert d'autres styles. Plus de rock, du grunge, de l'électro, du jazz, beaucoup de jazz. Et pendant ces 2 ans-là, on s'est retrouvé du coup à avoir plein d'idées dans tous les sens. Il nous a fallu une dernière année pour synthétiser un peu tout ça en un album multi-jazz. Passer sur un label en fait qui aurait moins une image métal technique très sectaire en fait, essayer de s'ouvrir un peu plus justement à la scène métal générale, à la scène rock générale, à voir que notre musique soit écoutée par plus de monde. Celle-là et malgré tout. Mais la partition, c'est un album dans le contextuel et l'univers qui se déroule dans le même environnement que Bruce. C'est un peu une suite à cet album. Ça se concentre plus spécifiquement sur une des résultantes, une des conséquences des événements qui se produisent dans l'album Fait Bruce. Grossièrement, ça suit les boires et les déboires d'un marin qui s'est laissé entraîner par des sirènes. Ces sirènes l'ayant missionné de retrouver pour elles la partition qui leur permettrait de retrouver leur voix et de perpétuer de cette manière. Donc évidemment, on assiste au déroulement de cette histoire en plusieurs parties. On a un album de 3 triptyques en fait. Premier triptyque, c'est plus le traité en fait de la prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Cette sorte d'envie pour les marins de rapporter la partition. La deuxième partie de l'album va plus traiter en fait, ça va être une présentation de chaque personnage principal de l'album. Et la dernière partie de l'album, c'est la rencontre entre le marin et les sirènes. Et du coup, c'est l'aboutissement de cette rencontre.
seul rêve, c'est qu'il n'y a pas de règles. Ça nous dessert un peu d'ailleurs, vu que c'est pour ça qu'on a mis autant de temps pour cet album, ce nouvel album qui sort. Mais en gros, oui, c'est un grand processus de va-et-vient, de ping-pong, de ping-pong entre les idées, de ping-pong entre les membres. On a des petits bouts de compos, c'est ça, des petits bouts de compos qui vont un peu grossir, qui vont atteindre 4-5 minutes chacune. On va essayer de relier ces compos avec. De relier, de composer en fait entre. Si on reliait ces éléments, comme les petits îlots qui sont safe, on pourrait relier. On se retrouve composé comme ça, et des fois on se retrouve avec quelque chose de complètement nul. On jette un coup d'œil, on se retrouve avec un album de 50 minutes, on ne sort pas. C'est arrivé deux fois, cet album, avant d'arriver sur une version derrière laquelle on pouvait tous d'accord. Quoi. Et ouais, après oui, c'est beaucoup d'aller-retour, celle de répète, beaucoup de morceaux en concert. On a pas mal joué certains des morceaux de cet album en concert depuis quelques années en fait. Ça nous a permis de dégager une énergie générale qu'on voulait ramener surtout comme ça, aller-retour du live, du studio. Fond vert, un garage, des 2-3 ampoules, et c'est parti quoi. C'est moi qui m'en occupe, et sur cet album, on a le frère du chanteur, Thomas Romarin, qui s'occupe, qui est d'ailleurs le personnage de l'Empire, qui s'occupe aussi de tout ce qui est dessin, tout le côté crayonné en fait. On a apporté l'aspect crayonné, et moi j'intéresse ça dans nos artworks. Ça dépend pas vraiment de nous. Pas la France, c'est juste que les opportunités à l'étranger sont beaucoup plus nombreuses, et ça depuis le début. On commence pas à faire le bon cœur dans notre pays, mais ça prend du temps, du travail, et puis évidemment, j'ose espérer qu'avec cet album, on aura l'opportunité de visiter un maximum de villes, mais je sais pas. Tous nos partenaires sont étrangers en fait. Notre label est allemand, notre manager est allemand, notre boîte de booking est anglaise. Du coup, naturellement, je ne sais pas si la France est le pays le plus porteur pour ce style un peu niche quand même. Même si on essaie de s'ouvrir, c'est quand même des trucs qui sont beaucoup plus populaires en Allemagne, en Angleterre, dans une multitude de pays. L'Est, quoi. C'est paradoxal, c'est ce qu'on voit avec. Pas mal de groupes étrangers qui font des tournées européennes qui ne passent pas par la France. Personne ne sait vraiment pourquoi. Et nous, étant un groupe français, on se retrouve un peu dans la même situation que ces groupes, à ne pas être du tout en France. Enfin, en tout cas, pas beaucoup. On ne comprend pas pourquoi, en fait. On n'a pas trop d'explication à ça. En fait, on n'est pas en notre volonté. Mais c'est comme ça. C'est petit, c'est pas cher, c'est costaud, ça fait pas mal au dos, il y a tous les effets dedans, vraiment tout ce qu'il nous faut. Voilà, c'est vraiment le côté de la prise de tête. On arrive en tirer le son qu'on veut, on va faire sonner ça sur scène, et ça tombe pas en panne. Puis bon, si ça se casse, c'est pas un ampli à 2500 euros, un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment le côté pratique. Alors l'album de l'été pour tout le groupe, ça a été De Grillo, De Force, l'album Automatique de Don Broco. C'était l'album de l'été, c'était il y a quasi un an. C'était il y a quasi un an, mais ça a duré pendant plusieurs mois et c'était tout ce qu'on écoutait. Ouais. Après, mon stack perso, il y a eu Kurt Hate, Dark and Root, un morceau qui est sorti il y a un mois de ça, je crois. Qui m'a vraiment mis une balle gigantesque. J'ai écouté ce morceau en 5 jours. Tout le monde a mis. J'ai complètement rincé ce morceau. Je connais vraiment un truc qui se passe dedans et ça m'a accroché. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un truc comme ça. Des dates partout. En France, plus de budget pour mettre
plus de moyens dans la production et vraiment plus dans la montée. Nos tournées sont uniquement constituées d'anecdotes, si bien que nous on arrive à se raconter des anecdotes qu'on ne connaît pas encore. Je te laisse en inventer. Non, on va rien inventer, on va rien inventer, ça va très bien se passer. Je sais pas. C'est vrai que c'est embarrassant parce que dans tout ce à quoi je pense, il y a très peu de choses qui peuvent se raconter de moi. Le troisième concert que j'ai fait avec Animal Structure en été 2015, on a joué à Nottingham dans un festival, Macmillan Festival, un festival organisé pour lutter contre le cancer. On a fait la fête jusqu'à très très tard, on est reparti très très tôt le lendemain matin, on est rentré dans la maison de l'espèce de groupe de personnes qui nous hébergeaient. Les gens étaient surpris, il n'y avait personne à Nottingham, on s'est retrouvé dans un club dans lequel il devait y avoir plus de 2000 personnes avec des DJ de fou, des lights de fou, de la fumée dans tous les sens. On est rentré, il nous restait très peu de temps à dormir et on voulait juste Igor et moi monter aux toilettes, puis avant dormir, un peu dormir. Et en montant, il y a Igor qui a tapé dans quelque chose qui s'apparentait à des sacs et qui me fait tu feras gaffe. Il y a des sacs par terre, on avançait dans le noir. Et évidemment, en passant dans le couloir, je tape dedans aussi, je trébuche. Et ça fait un bruit bizarre, une sorte de gémissement. Je fais putain, Igor allume la lumière. C'était une fille qui dormait là par terre. Et quoi ? Et voilà, et du coup, de peur, on s'est retrouvé enfermé dans la salle de bain à attendre que cette fille se rendorme profondément. Voilà quoi, les gars ont essayé de monter voir ce qu'on faisait, ils ont shooté dedans aussi, c'était la même merde pour tout le monde a shooté dans cette pauvre personne toute la soirée visiblement. Voilà, c'est qu'une des nombreuses anecdotes qui sur le coup mettent un coup d'adrénaline et puis c'est le genre de truc qu'on peut se raconter 10 fois et ça nous fera toujours rire, tellement on a été bêtes. C'est voilà. Sociaux, on a déjà forcément un contact hyper facile puisqu'il n'y a plus cette espèce de, il y a fortiori dans notre style, il n'y a plus cette espèce de barrière où on doit cultiver un mythe de ne pas apparaître ou quoi, et au-delà de ça, de ce que je sais, il y a vraiment des fans de la première heure qui, pour moi, je vois des personnes qui connaissent le groupe mieux que moi je le connaîtrais, quoi. Des personnes qui soutiennent depuis le début, quoi, je sais pas ce que... Bah c'est vrai que niveau les fans. Ouais, les fans vraiment profondément investis dans le groupe, dans la mythologie du groupe, dans ce qui se passe dans les albums, pas dans le groupe, c'est intéressant. C'est vraiment qu'ils s'intéressent au groupe, à ce qu'on essaie de raconter avec nos albums et notre musique. Et c'est intéressant de voir que l'attention au détail qu'on porte sur notre musique, les personnes sont réceptives et essaient de creuser à fond pour vraiment oublier quelque chose. C'est une bonne image, je crois. Continuer à pousser dans cette direction. Des personnes faire attention à des détails auxquels jamais on aurait pensé. Quelqu'un extérieur au groupe puisse être attentif à ce point-là, intéressé à ce point-là, et ça c'est top. On sait que vous êtes quand même beaucoup, on vous remercie infiniment de votre soutien. Ça fait toujours plaisir de parler français et on espère au plus profond de mon cœur de vous voir le plus vite possible partout en France. Et si vous êtes sympa, vous avez le temps, écoutez notre nouvel album, il s'appelle La Partition et il sera là le 21 avril. Merci beaucoup. Merci à vous.